Bonjour à tous, bienvenue au signe des Verseaux, bienvenue pour cette année 2022, premier tirage pour l'année 2022 qui seront les tirages sentimentaux. J'espère que vous allez bien, chers amis Verseaux, c'est votre signe qui sera en dernier, donc on a commencé par les Capricornes. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, on va regarder ce qui se passe au niveau sentimental pour ce début d'année 2022. Alors ce tirage sera surtout pour la période du 1er au 15 janvier 2022, vu que je vais faire par quinzaine comme je vous l'avais promis. Et puis j'ai décidé de commencer par le sentimental vu que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu ce qui se passait en amour. Donc n'hésitez pas de regarder les différentes playlists si vous voulez voir plus en détail les Verseaux, ce qui se passe pour l'année 2022, fin décembre, amour, etc. Vous abonnez simplement à la chaîne Les Guidances de Shiva et cliquez la cloche en haut à droite pour recevoir toutes les notifications des vidéos que je sors pour avoir tout sous la main, on va dire comme ça. Donc on va regarder tout de suite pour vous les poissons, les Verseaux, je viens de faire les poissons. Donc les Verseaux, ascendant et lune, qu'est-ce qui se passe en début janvier? Alors on va regarder pour le 1er au 15 janvier 2021 avec les anges de l'amour au niveau sentimental. 1er au 15 janvier 2022 pour les Verseaux. Amour, Verseau, amour. 1er au 15 janvier 2022. Puis bien sûr, vous pouvez demander une guidance personnalisée si vous voulez voir pour votre situation sentimentale ou générale. Vous écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a? Je ne vais pas la prendre, elle est en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? On va aller de ce côté. Relation karmique. Ça ne m'étonne pas du tout. Donc, sachez, vous savez, hein, je vous l'ai dit, qu'on est en fin de cycle karmique de 9 ans pour beaucoup. Il y a des grandes, grandes transformations et qui se fait vraiment sur cette fin 2021 pour un tout nouveau cycle de 9 ans aussi, je crois. Un cycle karmique, donc des choses qu'il faut régler, négatives, on va dire, pour mettre du positif dans notre vie, changer ce qui ne va plus, pour évoluer. On est dans une notion d'évolution avec le karma, hein. Relation karmique, c'est une personne qu'on a connue dans une autre vie pour justement comprendre quelque chose qu'il va falloir dépasser. Si vous étiez dans des basses énergies comme la tromperie ou des basses énergies comme la jalousie, ce n'est pas des énergies d'amour, c'est de la possession, c'est voilà, c'est du mensonge. Il y a quelque chose à comprendre ici pour les Verseaux. C'est début d'année, on pourrait dire ça. On va voir si c'est avec une personne qui est dans votre vie ou que vous allez rencontrer, peut-être. Regardez avec une carte ici du tarot. Une carte principale d'énergie du tarot. C'est le Romantic Love Tarot. Alors, qu'est-ce que nous dit ici un message pour l'amour? Message pour l'amour pour les Verseaux. 1er au 15. 1er au 15. Une carte qui est tombée, je l'ai vue tout à l'heure. 1er au 15 janvier 2022 pour les Verseaux. Quelle énergie principale? Je l'ai vue tout à l'heure. J'ai dit non, j'attends. Prendre cette carte-là. On a la papesse et on a la maison Dieu. La maison Dieu nous dit qu'il pourrait y avoir quelque chose de surprenant qui arrive durant cette période de début d'année. Il pourrait y avoir un clash, il pourrait y avoir une fin, une séparation brutale. Ça peut être aussi un coup de foudre dans le cas des célibataires. Il peut y avoir une rencontre coup de foudre qui peut être une âme sœur parce que vous sentez que vous la connaissez déjà. Les Verseaux, où il peut y avoir une fin de relation. Et avec la papesse que j'ai tirée moi, on nous dit plutôt apprenez, comment dire, c'est l'intuition, c'est le moment de pause, d'écouter sa voix intérieure, de chercher en soi qu'est-ce qu'il faut faire. La papesse, elle étudie. La papesse, elle a besoin de... Attendez, je vais regarder dans un autre tarot comment elle est représentée. Elle a besoin d'étudier. Elle n'est pas très active.
ce que j'ai là. Elle est plus dans l'écoute, ou la grande prêtresse, de oui, des intuitions que je vous ai dit tout à l'heure, de votre voix intérieure, de savoir qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce qu'il va falloir faire, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, quel est le chemin. Là, vraiment, cette carte, j'aime bien parce qu'on comprend, qu'on ouvre notre chakra coronal, on reçoit des énergies spirituelles, on écoute ses ressentis. Qu'est-ce qui est juste? Ce n'est pas les autres qui vont nous dire, c'est vous qui ressentez avec votre chakra du troisième œil, votre chakra coronal et les autres chakras, mais surtout ceux-là. Et puis c'est un moment d'introspection, d'étude aussi pour vous les Verseaux. Que va nous dire ici un message angélique? Message angélique, Verseau, janvier. Verseau du 1er au 15 janvier. 1er au 15 janvier 2022 pour les Verseaux. Verseau 1er au 15 janvier 2022. Verseau 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qu'il y a comme conseil au message angélique pour Verseau 1er au 15 janvier? On va voir tout ça. Pardon. Le pardon. Forgiveness, des fois je dis l'oubli. Mais je crois que c'est le pardon. Pardonnez, pardonnez au passé, pardonnez à la personne, pardonnez-vous. Pour pouvoir avancer. Il y a peut-être eu quelque chose de complexe à comprendre, je vous ai dit, au niveau karmique. Donc, c'est souvent des difficultés qu'on doit assimiler, comprendre, régler pour avancer. On est tous en chemin d'évolution. Et puis bon, on dit oui, le pardon, hein. Forgiveness, c'est ça. Quelque chose de surprenant qui arrive ce début d'année. On va voir ce que c'est. On va regarder avec l'oracle coup de cœur. Pour les Verseaux, 1er au 15 janvier. Ouais, il y a des relations tierces, je l'ai dit souvent, pour les Verseaux, que vous voyez une personne à part, à côté de votre couple. Il y a toujours une tierce personne chez les Verseaux, ou que... la personne avec qui vous êtes vous trompe, c'est toujours à voir dans les deux situations. Ou vous trompe, ou il y a de la rivalité. Il y a quelqu'un de toujours, toujours, c'est sorti dans ces derniers mois, qui peut me faire dire qu'il y a, oui, une notion triangulaire de tromperie, de fausseté autour de vous, ou vous, face à autrui. Et c'est ressorti, vous avez vu. Les Verseaux du 1er au 15 janvier 2021. Qu'est-ce qu'il y a comme message en amour 2022? 1er au 15 janvier 2022, en amour pour les Verseaux. Je vais regarder la coupe. Retour. Retour de quelqu'un du passé que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être ça. Il y a un retour de quelqu'un dans votre vie. Les Verseaux. Alors, c'est bien sûr pour certains, pas tous. Hein. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Pour certains, ce sera simplement un moment de solitude, d'autres rencontres karmiques, d'autres une cassure, d'autres un retour. Vous verrez, restez jusqu'au bout parce que j'aurai un conseil à vous donner avec l'oracle. C'est un conseil qui est très intéressant. Il vous donne un peu la piste à suivre. Là, on voit retour, on dirait d'une relation qui a duré soit longtemps ou une relation où ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne. Une personne qui aurait eu de l'emprise sur vous. Ok, bon, il faudra faire attention peut-être. C'est ce que je viens de vous dire hein, par rapport au karma. Par rapport à la tromperie, je vais voir ça. Donc, on va prendre 10 cartes. Verseau, je vais enlever celle-ci. Du 1er au 15 janvier 2022. On va faire une deuxième ligne. Je vais baisser la caméra après. Les Verseaux, 1er au 15 janvier 2022, en amour. Celle-ci a envie de parler, je la garde de côté. Déjà voir la coupe, qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire ici? Une notion de temps, quelque chose qui dure trop longtemps, sur lequel vous devez travailler, qui est effectivement quelque chose de karmique. Il y a quelque chose avec une personne où vous êtes lié,
que vous connaissez dans une autre vie, qui par exemple vous a trompé, dans cette vie vous l'a trompé. Donc c'est ça le karma, tu me fais, je te fais, comme ça vous comprenez la leçon. Vous allez devoir solutionner quelque chose de karmique, on l'a tout de suite vu avec la première carte, et quelque chose qui dure depuis trop longtemps à mon avis chez vous les Verseaux. C'est possible que vous êtes sous l'emprise d'une personne. Je crois que je l'ai vu dans le tirage de la semaine. Cette semaine-là, elle était très précise. J'ai fait le tirage au tarot pour tous. N'hésitez pas à la regarder jusqu'au 2 janvier parce qu'il y avait effectivement l'emprise d'une personne négative sur les Verseaux. Quelqu'un qui vous tient, quelqu'un qui sait y faire, je ne sais pas, quelque chose comme ça. On commence par la blessure sur le consultant. Quelque chose qui vous blesse. Il y a de la fausseté autour de vous, de l'instabilité. Votre relation est assez instable, vos relations de couple sont instables, vos relations sentimentales sont instables. On dirait que vous êtes blessé parce que vous cherchez de la tendresse, de l'affection, alors que vous êtes en face d'une personne, alors je ne sais pas dans quel sens ça va, qui porte un masque, ou est-ce que vous portez un masque, ça veut dire que vous êtes fou avec la personne avec qui vous êtes, vous pouvez lui créer des blessures alors qu'elle cherche la stabilité, hein, la santé, et des perturbations ici. C'est comme si vous étiez avec une personne, si c'est pour les couples, qui veut être dans l'amour et la tendresse, et vous, pourtant, derrière, vous êtes avec un masque, vous vous montrez fou avec cette personne. Vous n'êtes pas totalement honnête. Voilà, vous cachez des choses. Là, ça ressort. Hein? Cette situation ressort. Donc, pour moi, il y a quelque chose à régler. On va voir ce que nous dit la deuxième ligne. Il y aura un pardon à faire. Vous n'oubliez pas ça. Écoutez votre intuition. Il y a quelque chose qui va blesser. C'est instable, votre vie, là. La semaine prochaine, elle sera très instable, début d'année. Parce qu'il y a entre la tendresse et la fausseté... un gros fossé. Ça peut être vous, je vous ai dit que vous aviez menti, porté un masque, vous n'êtes pas honnête. Ça crée des blessures chez l'autre qui veut plus de tendresse. Il y a effectivement une notion d'un tiers ici qui ressort. Écoutez de nouveau votre intuition. Il y a quelque chose que vous cachez. Oui, effectivement. De l'abondance, il y aura un renouveau. Mais là, on sent un petit peu ce que je viens de vous dire, hein, la notion de cacher des choses, de ne pas être honnête, de ne pas montrer votre vrai visage, ou c'est le partenaire avec qui vous êtes. Il y a quelque chose à comprendre qui pourrait être une relation karmique, donc à régler, hein, on avait les outils. Donc, vous devez prendre cette situation en main, des choses qu'on vous cache. Je vous l'ai dit avant, sans avoir le secret, j'étais sûre, et le ressenti... c'est peut-être pour le partenaire, dans cette histoire, il y a un des deux qui doit écouter sa petite voix intérieure pour savoir ce qui se passe. Vous allez devoir travailler sur votre ressenti, savoir qu'est-ce qui se passe dans votre couple, pourquoi il y a de la fausseté, pourquoi on vous cache des choses, pourquoi on cache une tierce personne, elle est sortie hein, de nouveau. Ça crée des blessures, on sent que l'autre a quelqu'un pour les Verseaux, on sent que l'autre va avoir des personnes... une personne extérieure, ou même plusieurs. Pourtant, on a l'abondance. Alors, ça peut nous dire pour l'avenir, l'abondance, vous êtes peut-être bien entouré, vous avez peut-être beaucoup de personnes qui vous sollicitent. Et puis, il y a une naissance ici. On peut parler d'une nouvelle relation, un renouveau, après cette instabilité. Donc, peut-être vers la mi-janvier, ça va s'améliorer. Pour moi, il faut quand même régler cette histoire. On va voir avec ce deuxième petit tarot ce qu'il nous dit. Alors, je vais demander pour les Verseaux 1er au 15 janvier 2022. Verseaux 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a en amour? Et qu'est-ce qu'on a ici? Verseau 1er au 15 janvier. Il y aurait un renouveau. Bon, l'outil est sorti à la coupe. Donc moi, je dis qu'il y a un travail à faire. Hein.
Il y a quelque chose qui va vous surprendre ou peut-être que la personne avec qui vous êtes va comprendre avec son troisième œil et son ressenti que vous êtes avec quelqu'un. Ça peut mettre de l'instabilité. Il y a de l'instabilité là. Alors, on parle de joie de célébration. C'est les fêtes, ok, si on veut. On nous parle de problèmes. À nouveau, les éclairs. Il y a des problèmes. Il y a quelque chose qui va ressortir. Pour être réglé, il faut bien que ça se mette en lumière. Le ressenti, vous allez l'avoir. Vous l'avez peut-être déjà, vous ou le partenaire, de mettre en lumière des choses qui ne sont pas claires, qui sont cachées. Avec soit un poisson scorpion ou ça vient de cet été déjà. Il faudra trouver une solution parce que là, il pourrait y avoir des relations charnelles avec des tierces personnes, désir brûlant, amour passionné. Il y a quelque chose dans le sens de notion pour moi de tromperie à nouveau. C'est comme si un des deux avait une emprise sur vous et faisait un peu ce qu'il voulait. Voilà, il a des secrets, il ne dit pas tout, il va voir ailleurs, vous êtes là. Mais il y a une tierce personne et ça créera la foudre, j'en suis sûre, parce que vous allez découvrir cette situation. C'est quelque chose de karmique à régler et il vous faudra vous pardonner et pardonner l'autre pour pouvoir avancer. Et surtout, solutionner ce problème. C'est ce que je vous ai dit, les outils, la clé, solutionner ce problème. D'accord ? Alors, le conseil, on va voir ce qu'il nous dit. La carte qui a sauté, ben voilà, vous allez avoir le déclic. Un déclic, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Non. On ne peut pas continuer comme ça. C'est soit partir, trouver une personne mieux, parce que si on va voir ailleurs, c'est qu'il y a un souci. Et puis, vous ne pouvez pas tromper votre partenaire. Il n'y a aucune relation qui peut fonctionner comme ça. L'autre personne le ressent, elle se sent mal. Blessure. Quel conseil ici pour les Verseaux du 1er au 15 Verseaux 1er au 15 janvier 2022 1er au 15 janvier 2022 pour les Verseaux, conseil au niveau sentimental, conseil pour l'amour du 1er au 15 janvier 2022. Éclaircissement, exactement. Vous allez voir des clics, vous allez avoir la lumière. C'est mettre la lumière sur ce qui est caché. C'est l'éclair, le coup de foudre, la lumière qui va se faire, chers amis. Vous voyez, c'est tout à fait ce que je vous ai dit. Il y aura un éclaircissement au début d'année de cette situation qui ne pourra plus durer, qu'il va falloir régler, qui vient du passé, d'un karma. On vous a fait peut-être souffrir, vous avez fait souffrir, maintenant on règle ça et on arrête. Pour des relations, on va dire, équilibrées et harmonieuses. C'est parce que c'est très instable, hein, ici. D'accord, chers amis Verseaux. Alors, je vous remercie pour vos retours sur ce tirage. Et puis, merci aussi pour vos petits mots. Je vous souhaite une très belle année déjà en avance. À tout bientôt. Au revoir.